Youpi! C'était rigolo! Encore une fois, c'est parti! Allô! Oh, Tati! Ouf, je meurs de chaud! Ouf, qu'est-ce qu'on peut faire, Missy Fou? Je n'ai plus d'idées et j'ai l'impression d'être en train de fondre. Youpi! C'est l'heure d'aller au parc aquatique! Mr. Morning, où vas-tu? Au parc aquatique! Oh, c'est génial! On y va, Tati? Moi, je suis déjà prête. Waouh, qu'est-ce que tu es rapide! J'attrape ma serviette et on y va! Je suis prêt! Cours, Missy Fou, cours! Regarde, Tati! Voilà Lily! Ouch! Waouh, ça a dû faire mal! Youpi! C'est trop rigolo! Coucou Lily! Salut les amis! Est-ce que vous voulez venir au toboggan avec moi? Ça a l'air très rigolo! Oui, allons-y! Oh, waouh! Il est vraiment très grand! Oh, waouh! Nous sommes arrivés! Je ne sais pas! C'est vraiment très très haut! Allez, Missy Fou, je vais avec toi! Youpi! C'était vraiment très rigolo! Oui, c'était super génial! Allons voir comment descend Tati! À mon tour! Youpi! C'est génial! J'ai adoré! On y retourne? Attends, Tati! Peut-être que tu aimerais essayer la piscine de surf! Vraiment? Il y a une piscine pour surfer? Allons-y! Génial! Ouyouyouyouyouyou! Aïe! Je vais réessayer! Aïe! C'est carrément génial! Regarde, Missy Fou! Oh non! Missy Fou, tu peux nous aider? Montez sur ma planche! Regardez, nous sommes trop forts, les filles! Oui, attention de ne pas trop bouger, nous allons tomber! C'était vraiment trop rigolo! Et si nous allions manger une glace? D'accord! Délicieuse glace, les amis, vous voulez une glace? Oui, oui! Tiens, Tati, fraise, menthe et vanille! Merci! Une autre pour toi, Lily! Et celle-ci pour toi, Missy Fou! Youpi! Oh, 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 oh! C'est délicieux! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, voyons voir... Regardez, une tyrolienne qui arrive dans une piscine à balles! J'y vais la première! Et moi ensuite! C'est parti! C'est très rigolo! Youpi! Waouh, il y en a beaucoup! À moi! Allez, poussez-vous! Tous ces ballons! Oui, c'est très difficile de sortir d'ici! Bataille de bombes à eau! Ah! Ballon dans les airs! Aïe! C'est trop rigolo! Attrape ça! Vous savez quoi d'autre se trouve dans le parc aquatique? C'est quoi? Une piscine à vagues. Vous voulez essayer? Oui, allons-y. Regardez là-bas, c'est Mr. Morning. Salut les amis, venez, c'est super rigolo. Waouh, il y a tellement de vagues. Moi je ne sais pas, je vais avoir la tête qui tourne. Allez, Missy Fou, allons-y tous ensemble.
Comment ça va, Missy Fou? Bien, Tati. J'aime bien. Miaou. On dirait la mer. On dirait qu'il y a encore plus de vagues. Aïe, j'ai la tête qui tourne. Je veux sortir d'ici. Moi aussi, je veux sortir. Et moi. Wow, ça tourne. Tati. Missy Fou. Enfin. Oh, quelle vague gigantesque. Et si nous faisions une course de bateau maintenant? Allons-y. Mr. Morning, tu viens avec nous? Oui. Allons-y. Moi, je suis avec ma sœur. Moi, avec Mr. Morning. On va gagner. C'est ce qu'on va voir. Nous sommes les premiers. On doit gagner, Tati. Utilise tes mains comme ça pour aller plus vite, Lily. C'est pas vrai. Mr. Morning, utilise tes oreilles. Génial. Oreilles à propulsion. Oui, nous avons gagné. Alors la prochaine fois, ce sera nous. Les amis, une glace, ça vous dit? On en a déjà mangé une. Je vous invite pour une autre, allons-y. Et n'oublie pas de partager. Super idée, Lily. Tsunami. En plus, j'ai mon rayon rétrécissant qui sert à rétrécir les choses. Alors si une vague géante arrivait, rien ne se passerait, car on la transformerait en une toute petite vague. Super. Quel beau résultat. Prenons un selfie.
Dites sirène. Sirène. Et que moi, je suis un géant. Mais qu'est-ce qui se passe? Aime et abonne-toi. Bien dans l'eau. Aide-moi, s'il te plaît. Oh, il s'amuse tellement bien sur son matelas gonflable. Wow! Au secours! Au secours! Ils vont m'attraper! Aïe! Ils vont faire mal! Aïe! Vous m'avez fait peur! Lily, quelque chose m'a touché la jambe. Ah, sûrement un poisson. Sûrement. Retournons à la plage. Ah. Oh, voilà mon seau, ma pelle et mon râteau. Je vais construire un château de sable. Hey, Mr. Morning, tu aimerais construire un château de sable avec moi? Oh, Missy Fou, je suis tellement bien allongée au soleil. Mais tu peux demander à Tati et Lily de t'aider. C'est juste que je n'aime pas les requins. Quoi? C'est l'endroit idéal pour faire mon beau château. La 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 la. Missy Fou, est-ce qu'on peut t'aider à construire ton château? Non! Oh, allez, Missy Fou, s'il te plaît! Non, non et non! Oh, allez, Missy Fou! Non! Pas après la méchante blague que vous m'avez faite! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Tati? Nous devons lui présenter nos excuses, mais trouvons d'abord quelque chose de joli pour décorer son château. Avec ça, c'est sûr, il nous pardonnera. D'accord! Qu'est-ce qu'on est bien! Oh! Mon château est super réussi! Oh. Regarde cette pierre, qu'est-ce qu'elle brille! Ok, allons lui montrer et lui dire pardon. Missy Fou, regarde tout ce qu'on a ramassé pour ton château.
Tu nous pardonnes, s'il te plaît? S'il te plaît. Nous ne recommencerons plus jamais, promis. Bon, d'accord, ça va. Construisons ensemble le château de sable, venez. Oh, c'est bizarre. Voilà, ne bouge plus. Voilà. Allez, petit crabe, à la maison. Je crois qu'il veut garder le château de sable juste pour lui. Garde-le alors. Et si on s'est caché dans le sable maintenant? Quelle bonne idée, Lily. Et voilà. Oh, il fait chaud ici. Et si nous allions nager? Ok, miaou. Oh, je suis toujours enterrée dans le sable. Youhou. Mr. Morning, est-ce que tu pourrais m'aider? Aïe, Tati, je suis désolée, mais je suis tellement bien ici allongée au soleil. Je suis coincée sous tout ce sable. Pas le crabe de nouveau, non. Oh, pourquoi est-ce que Tati crie? Je ne sais pas. Et encore? Lily, sors de là tout de suite. Tu m'avais promis que tu ne recommencerais pas cette méchante blague. C'est pas gentil. Missy Fou, je suis juste ici. Ce n'est pas moi. Je suis sûre que c'est Tati. Je vais voir. Je sais parler au requin. Bonjour, monsieur le requin. Tu as faim? Tu veux un petit gâteau? Oui. Tu veux être notre ami? Lily, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il veut bien être notre ami? Non, il ne veut pas être notre ami. Pourquoi? Parce qu'il a très faim. Quoi? Il est affamé et il veut nous manger. Qu'est-ce qu'on va faire? Miaou! Tati! Tati! Qu'est-ce qui vous arrive? Un requin! Un requin! Au secours! Mr. Morning, j'ai besoin de ton aide. Aïe, aïe, j'ai mal partout. J'ai un coup de soleil. Aïe, aïe, ça fait mal. Ça fait très mal. Oh, Mr. Morning! Tu n'avais pas utilisé de la crème solaire? J'ai complètement oublié. Ouf, on dirait un crabe maintenant. Aïe, ça brûle, ça brûle. Nous devons sauver nos amis ou le requin va les dévorer tout cru. Je suis sûre d'avoir quelque chose pour nous aider dans mon sac à dos. Aïe, aïe, aïe. Pas cela. Aïe, aïe, ça non plus. Une pomme, elle a l'air délicieuse. Aïe, voilà, Tati, essaye ça, aïe. Et à quoi ça sert? Oh, aïe, je ne suis pas sûre, mais je crois que tu dois viser l'eau avec. Aïe, aïe, ça me fait très mal. Ok, voyons voir comment ça marche. Juste à temps. Merci. Oh, c'est glacial tout à coup. Il fait froid. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Aime et abonne-toi. Thank you.
Ouh, il fait chaud. Daddy, qu'est-ce qu'il y a, Missy Fou? J'ai chaud. Donne-moi une glace, s'il te plaît. Désolée, mais je suis très en retard. À tout à l'heure. Oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai une idée. Miroir, miroir, appelle Lily, s'il te plaît. Lily, Missy Fou, mon petit chatou mignon. Lily, j'ai très chaud. Aide-moi, s'il te plaît. Ah, j'ai ce qu'il te faut. Miam, miam, miam. Je suis sûre qu'elle est partie me chercher une glace. Avec ça, tu auras moins chaud, Missy Fou. Je veux juste une glace. D'accord, je vais t'en acheter une. Bonjour petit cochon, je viens chercher mon argent. Je suis désolée, mais je vais devoir te casser. Non, 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 ne me casse pas, s'il te plaît, je n'ai pas d'argent. Alors, que faire? Lily, utilise ta magie. Ah, quelle bonne idée! Je vais faire un cornet de glace magique! Abracadabra! Une glace apparaîtra! Oh, un joli ballon, Missy Fou! Et voilà! Aïe! Qu'est-ce qu'il m'arrive? Et voilà le joli cornet de glace! Oui, mais c'est fou! Qu'est-ce qui t'arrive? Lily, tu as utilisé ta magie! Aide-moi! Donne-moi la pâte, mais c'est fou! Coucou, joli papillon! Bonjour, petit oiseau! Comment va-t-on redescendre? Aïe, aïe, aïe! Qu'est-ce qui leur est arrivé cette fois-ci? Sorcière, Tati, à la rescousse! Tenez bon, les amis! Tati! Je voulais juste une glace! Et maintenant je ressemble à un ballon gonflable! Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé! Oh là là! Je ne peux pas vous laisser seule un instant sans que vous ayez des ennuis. Ah, bracadabra, Missy Fou un chat de nouveau sera et un brin de toilette les arrangera. Tati, je m'ennuie. Et si nous allions survoler les montagnes? Oh non, moi je préférerais plutôt survoler le village. Non, Tati, les gens n'aiment pas beaucoup les sorcières. Relax, Missy Fou. Nous allons voler bien au-dessus. Nous n'allons pas descendre au village. Missy Fou, regarde. Tu te rappelles de la ferme? Oui, Tati. C'était très rigolo. Maintenant, regarde, Missy Fou, le village. Qu'est-ce qu'il est beau! Oh, comme ça me gratte la tête! Aïe, ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte! Yeah! Oh! Missy Fou! Missy Fou! Excusez-moi, avez-vous vu mon petit chat? Il est noir avec un œil de couleur bleue et un œil de couleur verte. C'est une sorcière! C'est une sorcière! Elle cherche un chat noir! Je suis une gentille petite sorcière, je ne veux pas vous faire peur! Ah! Bon, c'est sûrement Missy Fou! Qu'est-ce qui vous arrive, les chatons? Ils nous ont chassés du village! Ils disent que
des chatons de sorcière car nous sommes tout noirs. Oh, mes pauvres, vous pouvez rentrer et rester chez moi. Youpi! Auriez-vous vu mon chat? Il a un œil vert et un œil bleu. Non. Vous devez être affamé. Moi, j'ai très très faim. Et moi? Et moi? Et moi aussi. Abracadabra! Du lait dans des bols apparaîtra. Un pour chaque petit chat. Maintenant, oui, c'est sûrement Missy Fou. Bonjour, petit chaton. Toi aussi, ils t'ont chassé du village? Oui, moi aussi, ils m'ont chassé du village. Mon pauvre petit, viens, entre. Et toi, tu n'aurais pas vu mon petit chat par hasard? Si, si, je l'ai vu. Où ça? Dis-le-moi, s'il te plaît. Le prince se promenait dans la forêt lorsqu'il a trouvé Missy Fou avec une patte blessée. Il le prit dans ses bras et l'emmena au château pour le soigner. Heureusement, Missy Fou va bien. Mais comment vais-je rentrer dans le château? Les gens n'aiment pas beaucoup les sorcières. Ah, je sais. Tu peux te déguiser en cuisinière, ils te laisseront passer, car le roi adore manger. Mais le roi a déjà un bon cuisinier. Je sais. Nous pouvons te changer en pomme de terre et comme ça tu entreras dans le château sans que personne te voie. En pomme de terre? Oui, en pomme de terre. Si je deviens une pomme de terre, il pourrait me cuire. Alors tu peux être une banane. Je ne vais pas me transformer en banane, ni en pomme de terre, ni en poire, car il pourrait me manger. Et pourquoi ne pas te déguiser en cordonnier? En cordonnier? Oui, en cordonnier. Le roi adore les chaussures. Si tu lui offres des bottes, le roi sera ravi. Abracadabra, de jolies bottes vertes pour les pieds du roi. Bonjour, monsieur le roi. Je suis venue vous apporter de nouvelles bottes en cadeau. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles! Tu es vraiment talentueuse. Combien de pièces d'or pour tes jolies bottes? Oh non, monsieur le roi, je ne veux pas de pièces. Mais comment ça? Monsieur le roi, je souhaite seulement récupérer mon petit chat Missy Fou. Je sais que le prince l'a sauvé dans la forêt, près du château. Le prince va arriver et tu pourras lui parler. Bonjour, petit prince. Bonjour, petite sorcière Tati. Tu sais qui je suis? Oui, Missy Fou m'a raconté que tu es une très gentille et adorable petite sorcière. Voilà Missy Fou, Tati. Merci beaucoup. Tati! Missy Fou! Tati, je suis au courant pour les petits chatons du village et j'aimerais beaucoup qu'ils viennent vivre au château. C'est une très bonne idée. Abracadabra, une vie de château pour nos petits chats. Merci beaucoup, Tati. J'ai toujours voulu avoir des petits chatons. Et l'histoire est terminée. J'espère que vous l'avez aimée. De vélo. Oh, une invitation à une course de vélo! C'est trop génial! Tommy, regarde ça! Tu ne vas pas y croire! Waouh! Youhou! C'est trop rigolo! C'est trop génial! Waouh! Les filles! Regardez-moi ça! Waouh! Youhou! Tani, regarde ce que j'ai reçu! Tani! Qu'est-ce qui se passe, Missy Fou? Oui, ça fait mal! Oups! Pardon, Lily, j'ai pas fait exprès. Ne t'en fais pas, Tani, tout va bien.
Regardez, il va bientôt y avoir une course de vélo. Je n'arrive pas à y croire. Et nous sommes tous invités. Youhou! Youpi! Je vais chercher mon vélo. Missy Fou, tu veux t'entraîner avec moi? Oui, oui. Annie, tu viens? Vous pouvez partir devant. Moi, je vous rattraperai tout à l'heure. Ouais. Oui. Oui, oui, j'ai trop peur. Je ne sais pas faire de vélo. Mais je vais essayer pour Lily et Missy Fou. Oui, qu'est-ce qu'il est sale. Je vais d'abord le laver. Qu'est-ce que tu fais? Je nettoie mon vélo parce que je vais l'utiliser. Mais c'est ma petite maison. Je suis désolée, petite araignée, mais j'ai besoin de mon vélo. Mais tu n'en as pas fait depuis des années. Oui, je sais, et ça me fait très très peur. Ok, ok, ne t'inquiète pas. Je vais chercher un autre endroit dans le grenier, le temps que tu me rendes ma petite maison. La la la, la 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 la, la la la. Waouh, et voilà, tu es tout propre. Mon casque. Youpi! C'est parti! Wouhou! Ah oui. Encore une fois, je n'abandonnerai pas! Ah, j'abandonne! J'abandonne! Aïe, ça fait mal! C'est bien pire que ce que je pensais! Wow, 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 allez! Aïe, quelle grosse bosse! Arbre, pousse-toi d'ici! Mais quel désastre! Très bien, maintenant oui, je vais y arriver. Non, pas au lac, pas au lac! Ce vélo ne m'obéit pas! Non, 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 arrête-toi! Qu'est-ce que vous avez de la chance de ne pas faire de vélo, petit poisson? Le mieux serait d'utiliser ma magie. Abracadabra! C'était une très mauvaise idée! Au secours! À l'aide! C'est beaucoup trop haut! Arrête! Arrête! Petit arbre, sors vite d'ici! J'ai la tête qui tourne! Et je n'aime vraiment pas du tout ça! Ça? Oui, Missy Fou, je crois que quelqu'un a besoin de notre aide. À la réponse! Nous devons l'aider! Aidez-moi! Oh oh! Nos vélos ne peuvent pas voler. Nous devrions peut-être demander de l'aide à Mr. Morning. Allons-y! Ne partez pas, s'il vous plaît! Je veux descendre d'ici! Mr. Morning! Que se passe-t-il, les amis? C'est Annie. Elle ne peut plus redescendre de son vélo et elle a besoin de notre aide. Ah, je vois. Vous devez essayer de l'emmener par ici. Et ma maison l'attrapera. Très bien. Allons chercher Tani, Missy Fou. Regarde, elle est là. Tu ne vas pas pouvoir nous échapper. Vélo magique, nous allons t'attraper. Les amis, aidez-moi! Ne t'inquiète pas, Tani, nous allons te sauver! Oui, oui! Ah, les voilà! Maintenant, c'est à notre tour d'aider Tani! Et hop! Bye-bye, vélo! Mon sol adoré, qu'est-ce que tu m'as manqué? Oui! Merci beaucoup, Mr. Morning. Abracadabra, le vélo de nouveau normal redeviendra.
Que s'est-il passé, Tani? J'ai utilisé ma magie car je ne sais pas faire du vélo, désolée. Alors tu as besoin de petites roues. Merci beaucoup, Mr. Morning. Ce n'est pas grave, Tani. Moi et Lily, nous t'apprendrons. Allez, Tani, tu peux le faire. Encore un peu. Allez, pédale, Tani. Tu te débrouilles très bien. Et maintenant, toute seule. Ne me laisse pas, j'ai trop peur. Tani, mais tu as des petites roues. Tu ne peux pas tomber. Très bien, Tani. Courage, super, bravo. Allez, la course commence. Partez. Très bien, Tani. Tu t'en sors super bien. Très bien, Ferrette. Tu es une championne. Tani.